Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le bris de glace. C'est une garantie destinée à prendre en charge les frais de réparation ou remplacement des surfaces vitrées d'une voiture, pare-brise, vitres latérales et lunettes arrière. Cependant, de nombreux contrats d'assurance proposent d'étendre la garantie à toutes les autres surfaces vitrées de la voiture. Les blocs optiques des phares, les rétroviseurs, la vitre du toit ouvrant. Mais si c'est le cas, le contrat doit le stipuler précisément. Dans tous les cas, faire jouer la garantie bris de glace n'a aucune incidence sur le taux de malus. Selon les contrats, la garantie peut être accompagnée d'une franchise. Cela signifie alors qu'une partie de ces frais n'est pas remboursée par l'assureur et reste donc à la charge de l'assuré. Autre question, faut-il réparer ou remplacer? Sachez d'abord que seul un pare-brise peut éventuellement être remis en état. Les vitres latérales et la lunette arrière ne se réparent pas, en cas d'impact, il faut impérativement les faire remplacer. Quant au pare-brise, pour être réparable, il faut que l'impact remplisse plusieurs conditions. Ne pas être dans le champ de vision du conducteur. Être éloigné de 4 cm des bords du pare-brise. Son diamètre doit être inférieur à 3 cm. Si la réparation est possible, l'assurance bris de glace peut rembourser les frais, avec ou sans franchise selon ce que prévoit le contrat.